Dans ce pays, les vieux n'ont plus le droit de voter. C'est une mesure dont on a déjà tous entendu parler et à laquelle on a déjà tous pensé au moins une fois. Limiter le droit de vote, ou dans le même style, refaire passer le permis à nos seniors. Jugé souhaitable par beaucoup, injuste et discriminatoire par d'autres, la question de limiter les acquis des seniors à partir d'un certain âge est difficile. L'argument le plus récurrent en faveur de la mesure est qu'il ne serait plus pertinent d'écouter des personnes sur le dernier quart de leur vie, parfois séniles quant au choix du futur que nous voudrions. Et pour le permis, de s'assurer que les réflexes et connaissances de la personne sont toujours d'actualité. Mais alors, à quel âge? D'autres sont moins radicaux et proposent de pondérer l'importance des votes en fonction de l'âge du votant. Ainsi, voter à 30 ans compterait plus dans la balance qu'à 70. Et ils imaginent aussi que ça inciterait davantage les politiques à s'intéresser à la jeunesse. En France, une telle loi serait dans tous les cas jugée discriminatoire et automatiquement retoquée par le Conseil constitutionnel. Il faudrait alors modifier la Constitution. Mais d'autres pays comme le Luxembourg, le Pérou ou l'Équateur ont eux le vote obligatoire jusqu'à un certain âge à partir duquel il devient alors optionnel. Enfin, pour ce que je vous disais au début, le Vatican quant à lui est le seul pays avec un âge plafond. Pas plus de 80 ans pour les cardinaux qui décident qui deviendra pape.